bonsoir à tous. L'École de musique de Publier est heureuse de vous accueillir pour ce concert dans cette salle polyvalente à Marin depuis quelques temps. Nous sommes obligés de délocaliser nos concerts depuis que la salle polyvalente est fermée. On avait l'habitude de faire des concerts à la salle polyvalente, c'est pratique, on a l'école de musique qui est juste en dessous, on prend l'ascenseur, on monte le matériel et le tour est joué. Et voilà, quand on vient ici, c'est bien, mais c'est un peu plus compliqué au niveau du transport, etc. Mais quand on est quand même heureux de vous accueillir ici. Ce soir, on a regroupé deux orchestres. Alors, ces deux orchestres, souvent, les gens les mélangent un peu. Puisqu'il y en a un qui s'appelle l'orchestre à l'école et l'autre qui s'appelle la classe d'orchestre de l'école de musique. Donc des fois les gens font un peu l'amalgame et c'est pas toujours facile d'y voir clair. Ce concert s'organise dans le cadre de notre partenariat entre l'orchestre à l'école et l'école de musique, puisque depuis que cet orchestre à l'école a été créé il y a maintenant 14 ans, on a toujours eu des professeurs d'école de musique qui étaient mis à disposition de cet orchestre. Et voilà, ce partenariat se fait dans ce cadre-là. L'orchestre à l'école, pour les parents de l'école de musique, je vous explique brièvement le fonctionnement. C'est un orchestre des enfants qui arrivent en CE2, à qui on donne un instrument et qui pratiquent la musique à l'école pendant 3 ans. Donc sur CE2, CM1, CM2. Ils font ça sur du temps scolaire avec des encadrants extérieurs. Alors ce soir, vous en avez trois. C'est donc Séverine qui gère et qui s'en occupe, Séverine Bonnier. C'est Alexandre Dutruel également qui s'occupe de la section cuivre. Et Stella qui s'occupe de la section des saxophones. Il manque Jérémy qui n'est pas là pour des raisons médicales, malheureusement. Et la classe d'orchestre de l'école de musique. Donc ça, c'est pour les parents de l'orchestre à l'école. Notre classe d'orchestre, c'est dans une école de musique. C'est des élèves qui viennent prendre des cours d'instruments, des cours de formation musicale et qui font une pratique collective qui s'appelle la classe d'orchestre. Nous, ce n'est pas sur du temps scolaire. C'est une des principales différences entre ces deux orchestres. Après, le principal, ça restera toujours le même, que ce soit l'orchestre à l'école, la classe d'orchestre, etc. C'est que les enfants fassent plaisir en faisant de la musique. Et c'est ce qu'on va entendre ce soir. Donc ce soir, on va commencer avec l'orchestre à l'école, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est dirigé par Séverine. Thank you.
avec vos encouragements. Thank you.
Thank you.
Je voulais déjà remercier les services techniques de la commune et notamment Hugues et Sylvain pour le transport du matériel. C'est ce que je vous disais, quand on n'est pas dans nos murs et quand on n'est pas, on n'a pas l'ascenseur à côté, il y a beaucoup de matériel à transporter. Donc ils ont fait un petit chemin, ils sont passés par l'orchestre, par l'école, j'allais dire des jeuneries, mais bon, c'est voilà, pour connaître, pour charger le matériel de l'orchestre à l'école. Après, ils sont passés par l'école de musique pour charger le reste du matériel. Donc un grand merci à eux. Je vais remercier le comité de l'école de musique qui m'a aidé à préparer ce concert. Je voudrais remercier également Séverine, qui s'occupe de l'orchestre à l'école, mais qui est également professeur à l'école de musique, qui est notre relais dans l'organisation de ce concert. Et Yann, du coup, notre directeur de l'orchestre de la classe d'orchestre. Je voulais remercier Madame la maire adjointe, Madame Deniaud, pour sa présence pour ce concert. Merci à vous. Merci à vous. Merci aux enfants de la classe, donc c'est très très bien. Et je voulais également remercier vous, parents. Vous êtes notre meilleur public. Et j'ai l'habitude de dire que pendant 2 ans, tout ça nous a manqué. Les concerts, les parents, le public, tout ça, parce que la musique, que ce soit à l'orchestre à l'école, à la classe d'orchestre, partout, la musique c'est fait pour être partagée. Et c'est vrai que pendant ces périodes, c'était un peu compliqué pour nous, parce que bah, il n'y avait plus trop de partage. Donc on est très très contents de pouvoir refaire des concerts. Donc un grand merci à vous, et encore un plus grand merci si vous pouviez remettre les chaises par 15 à la fin du concert, s'il vous plaît. Ça nous aiderait un peu, on a encore un peu de matériel à ranger. Et si certains parents ne sont pas du tout pressés, qui veulent nous aider à ramener du matériel à l'école de musique, on a un fourgon à charger et après à décharger. Donc n'hésitez pas à nous apporter votre aide, ça sera très gentil à vous. Voilà, je vous souhaite à tous de finir cette soirée, de bien finir cette soirée. On aura, il nous reste le dernier morceau de la classe d'orchestre. Et pour ceux qui veulent suivre les infos de l'école de musique, vous avez toutes les infos sur le site lavoixduléman.fr. Voilà, bonne fin de soirée à tous. Merci.